D'être ici. Merci en particulier à Synthèse Nationale d'organiser cet événement et de réunir tant de gens qui sont si différents dans leur sensibilité et leur combat politique. Je crois en effet, et tout le monde en est conscient ici, qu'il est tard, qu'il est peut-être déjà trop tard, et que, à de nombreuses reprises déjà dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays, les divisions, ce que l'on appelle plus poétiquement l'esprit gaulois, ont été source d'échecs. Et ceci en particulier dans la mouvance nationale, bien sûr. Cet esprit d'unité est évidemment l'une des choses qui anime l'Alvarium dont je vais vous parler aujourd'hui. L'Alvarium est donc basé en Anjou, c'est une petite communauté militante à laquelle j'appartiens et qui agit au quotidien. Pourquoi l'Alvarium, après tout ? Certains nous rétorquent, non mais tu comprends, le Front National fait 20% aux élections, Marion Maréchal Le Pen arrive, etc. Alors nous, on a rien contre, après tout, mais il y a une jeunesse qui est lassée de voir les élections se succéder aux élections, les trahisons succéder aux trahisons, et c'est une jeunesse française et européenne qui a soif d'enracinement et d'action, qui sont les préalables au changement. À quoi bon envoyer tant de députés à l'Assemblée ou au Parlement européen si cela ne change rien ? À quoi bon faire 20% à des élections présidentielles puisque de toute manière, l'immigration et la démographie telles qu'elles sont actuellement nous condamnent à ce petit jeu électoral, nous condamnent à un échec inexorable. Je vais vous donner un exemple. Dans ma ville de naissance, à Roubaix, la droite, ce qu'on appelle la droite nationale, FN plus MNR, faisait en 2001 quasiment 20% des voix. En 2014, elle atteint timidement à peine 10% des voix. Pour une raison assez simple, c'est que la population est tout bêtement remplacée. Et elle est tellement remplacée, voyez-vous, qu'en 2014, le maire de Roubaix s'appelle Slimane Tyr, qui est un ancien militant des quartiers d'origine étrangère, naturalisé fraîchement. Voilà la réalité du grand remplacement sur les élections. Les Français de souche décampent des grandes villes, alors on aime des Slimane Tyr, et même si vous me permettez le jeu de mots, les Slimane Tyr dans les banlieues, alors les Français de souche vont se réfugier dans les campagnes. Devant cette réalité implacable, l'Alvarium entend agir au quotidien, agir plutôt que gémir, bâtir alors que tout s'écroule autour de nous. Je crois que c'est l'unique condition de notre survie. Mais bâtir quoi ? Alors bien sûr, nous sommes conscients que nous ne sommes qu'une petite organisation, nous ne voulons pas nous faire comme la grenouille, plus grosse que le bœuf. Cependant, l'Alvarium, qui est donc une association aux confluences des doctrines nationalistes et du catholicisme social, l'Alvarium qui n'a que 3 ans d'existence, en 3 ans d'existence, c'est déjà... une multitude d'initiatives, un potager communautaire pour contourner autant que possible la grande distribution, un cercle culinaire pour faire la promotion d'une cuisine enracinée auprès d'une jeunesse élevée dans la malbouffe généralisée, une association de défense du patrimoine pour la promotion, la visite du patrimoine, mais également la défense de certains bâtiments, et on peut même s'enorgueillir d'avoir, en tout cas, enfin, s'enorgueillir peut-être pas, mais on a la joie d'avoir au moins eu une victoire contre la ville de Saumur qui voulait transformer une ancienne chapelle du XIIIe siècle en une espèce de boîte de nuit appelée le Levrette Café. L'Alvarium, c'est également une association qui s'appelle Solidarité Anjou Arménie pour aider les Arméniens, ce peuple de chrétiens qui se battent et qui, contrairement à nous, gagnent du terrain, notamment au Haut-Karabakh. C'est également des pèlerinages enracinés, dont un qui a lieu chaque 14 juillet, pendant que les gogos fêtent la République et leur propre disparition. C'est un pèlerinage qui est sur les traces donc de Jacques Catelineau, le saint de l'Anjou, qui déjà en son temps se battait pour Dieu et contre la disparition de son monde et de son mode de vie. Enfin, plus largement, ce sont des conférences, des activités militantes, un lieu, bien sûr, un centre d'action culturelle et sociale au cœur d'Angers, des activités sportives et même bientôt dans le centre-ville d'Angers, une salle de sport. Et surtout, l'Alvarium, puisque c'est notre vocation première,
C'est une action sociale sur le terrain. Ce sont des milliers de repas distribués, des couvertures, des vêtements, de l'aide apportée à des foyers en difficulté. Et alors, effectivement, c'est une goutte d'eau quand on voit la submersion migratoire et la multitude des problèmes qu'il y a dans notre pays. Mais c'est une manière également d'alerter nos concitoyens et puis de s'engager vraiment, de donner un sens à notre existence. Car à la tiers-mondisation de notre pays par l'immigration s'ajoute un décrochage économique et une misère sociale absolument inouïe. Le pendant du capitalisme mondialisé, que l'on nous présente comme une société heureuse, c'est une solitude généralisée, avec un individualisme patenté. Et tout cela est très mal masqué par les artifices de l'ultra-connectivité et des réseaux qu'on dit sociaux. Dans ces conditions, la création de nos propres structures dans le domaine de la vie sociale et associative, c'est autant de jalons pour la reconquête identitaire et spirituelle de notre pays et de l'Europe. C'est la tâche que nous nous sommes fixés avec l'Alvarium et que, j'imagine, un certain nombre d'entre vous se fixent ici en venant à Synthèse Nationale ou en s'engageant, je l'espère, en dehors. Et dans cette tâche immense, qu'importent les persécutions, qu'importent les humiliations, qu'importent les fiches S ou SS même pour nous, nous ne sommes pas sur Terre pour mener une vie de lombrique, pour boire, manger, déféquer. Nous sommes la jeunesse utile de ce pays, je crois. Mais ce n'est pas tellement une question d'âge, puisqu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui se battent depuis des années. Et je veux croire que nous nous battrons jusqu'à la victoire. Donc vive ceux qui se battent, vive ceux qui n'abandonnent pas année après année, vive la France, vive l'Europe. We'll be right back.